Théma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. C'est moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, on charme les sabots, ça coupe parpaing, grosse et de crasse. Salut les gars, c'est Bandido, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay super énervé. Tonton en mode vénère, et ouais, à la balle 27. Je vais vous dire pourquoi à la balle 27. Donc arrêtez de rager sur cette balle 27. Il y a bientôt la mise à jour. La mise à jour qui va faire du bien pour le multijoueur. Je vais en parler un petit peu. Aujourd'hui c'est un gameplay à la balle 27, ça fait longtemps que je vous en ai pas mis un sur ma chaîne. J'ai beaucoup mis d'AK12 en ce moment. Un gameplay vachement énervé, vraiment, vous allez voir. C'est un gameplay décontracté où il n'y a pas de tentative DNA ni rien. C'est un gameplay rush, énervé, où ça rentre dedans. Ça va faire que des séries de 10, 12, 13, je crois, un truc comme ça. Pas des grosses séries, mais des séries vraiment énervées en fait, à coup de 12, 13 kills d'affilée chaque fois. En assaut, bien sûr. La balle 27, c'est un gameplay sans la mise à jour, bien sûr, encore. Elle n'est pas arrivée sur PS4, j'ai joué encore un petit peu hier soir, vite fait. Et bon, j'ai ma fille et tout, c'est un petit peu compliqué, j'attends qu'elle dorme chaque fois pour jouer un petit peu. Et franchement, ils n'ont toujours pas mis la mise à jour, et apparemment sur PS3, j'ai un ami qui l'a sur PS3, il m'a dit la mise à jour a été faite. Franchement, ça fait plaisir parce qu'on voit moins de balles 27 sur le multijoueur. Alors effectivement, moi, pour anticiper, ben, vous savez très bien que je joue beaucoup à la K12 en ce moment, mais certes, vous avez été nombreux de mes abonnés à me dire « Tonton, vas-y, lâche un peu la K12 et tout, c'est bon, lâche la balle 27, la K12 ». Franchement, je vous dis, franchement, j'ai claqué encore une DNA à la K12 sur la même map, Defender et tout. J'ai pu le mettre sur Facebook pour ceux qui me suivent. Franchement, ouais, c'est une arme très très bien. Là, je commence un petit peu à changer. Je commence à essayer de jouer à l'IMR, à l'HBA3 et au SMG, c'est-à-dire je teste un petit peu la KF5 et la SM1. Je suis en train de tenter du lourd. Je pense que je vais vous envoyer du très très lourd. En fait, j'ai pas envie de spoiler parce que je veux pas vous dire, mais déjà. Je vous annonce clairement, c'est clair, mercredi prochain, DNA sur ma chaîne. Et ça sera pas à la K12. Parce que d'ici là, c'est sûr que je vais en claquer une. Je pense que ce sera avec une arme déjà que vous m'avez jamais vu jouer avec. Donc franchement, ça va vous faire plaisir. Et c'est dans un mode assez particulier. Parce que là, je m'y prends en ce moment, j'y joue beaucoup. Et ça va rentrer. Gros nombre de fails, 27, 28, 29. La prochaine, bim, Tonton, il a claque. C'est la bonne, je vous le dis. Je vous fais ce commentaire vite fait là parce que ma fille est en train de dormir et j'ai vraiment été overbooké ce week-end parce que en fait hier je suis allé chercher le sapin de Noël, les décorations et tout parce que bon, voilà, mon papa Bandidos il a que sa fille 4 jours par mois et quand elle vient chez moi, ma fille, il faut que ça fasse comme là chez sa mère, tu vois le truc, je sais pas si tu imagines un peu, vous êtes peut-être nombreux à être des enfants de parents divorcés. Et moi, comme je suis plutôt en position de parent, bon, malgré que moi aussi mes parents sont divorcés, donc je sais ce que c'est. Donc je fais pareil pour ma fille. C'est-à-dire, quand elle vient chez son papa, il faut que ce soit comme sa maman. Il faut qu'il y ait l'arbre de Noël, il faut qu'il y ait les guirlandes, il faut qu'il y ait le Père Noël qui pend par le balcon. Tu vois le truc, le délire là, comme tout le monde. Voilà, c'est quand ma fille arrive, elle dit oh, Papa Noël, il pend du balcon. Voilà, c'est des trucs tout con, mais c'est pour faire plaisir à ma fille. Je sais qu'elle a 2 ans bientôt, là, dans un mois, elle a 2 ans. Et franchement, ça me fait plaisir. Moi, j'ai galéré hein, parce que j'ai squatté un haut champ un samedi après-midi avec la pluie, le vent, fou de monde, ma fille et tout, un truc de marge. J'avais mal à la tête, frère. Je suis rentré le soir et j'ai pas envie de faire le commentaire. C'est pour ça que je vous fais le commentaire de bon matin. Je vais me lever il y a un quart d'heure. Ma fille dort encore dans sa chambre. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de sujet préparé. Gros gameplay énervé, franchement. Next stick, c'est la balle 27, les gars. Regardez le gameplay, ça rush. C'est. Gros gameplay, et franchement, je crois que j'ai plus trop de gameplay à la balle 27. J'en ai supprimé plein sur mon ordinateur parce que, bon, comme tout le monde dit que c'est l'arme cheatée, certes, c'est vrai qu'elle fait très très mal. Et donc, on verra qui osera rejouer à la balle 27 après la mise à jour parce qu'apparemment, elle perd plus de 1 dégâts, plus en précision et plus en portée, je crois. Donc, c'est quand même pas mal, franchement, ils l'ont bien. On l'a dit diminuer, on n'a pas dit assassiner une arme, donc je pense qu'ils l'ont bien assassiné. Je parlais avec mon pote sur PS3, il m'a dit que ouais, il m'a dit qu'elle était encore jouable, mais que franchement elle avait du recul de folie et que voilà, on gagnait un petit peu moins facilement des duels. Donc on verra bien qui c'est qui. J'attends, j'ai hâte de voir cette mise à jour sur PS3 pour voir si elle est jouable ou pas encore avec la mise à jour, parce que moi je l'ai pas testé personnellement.
Mais j'ai envie de te dire, ça va faire du bien aux multijoueurs. Parce que voilà, déjà on commence un petit peu, malgré qu'il n'y ait pas eu la mise à jour sur PS4, on commence à avoir moins de balles 27. Ça fait plaisir. On voit beaucoup plus d'HBA 3, de SME, de KF5. Ça commence à faire plaisir. Franchement, comparé à la 3 ou 4 vidéos que je vous ai fait en arrière, quand je vous disais, ouais, le multijoueur commence à être pas un joueur, mais c'est lassant parce qu'il y a toujours les mêmes armes, vous battez contre 6 balles 27. Ça arrive encore un petit peu, mais moins fréquemment qu'avant. Donc je suis content parce qu'il y a plus de. La durée de vie va être rallongée sur le multijoueur. Je sais que je me contredis un peu ce que je dis par rapport à la vidéo d'il y a 3-4, il y a 2 semaines à peu près. Mais c'est ce que je pense vraiment. Donc moi, quand je vous fais une vidéo, je vous dis franchement ce que je pense vraiment. Et là, aujourd'hui, je prends un réel plaisir à tester les SMG. Notamment la KF5 et la SME. Franchement, la SME, elle est super maniable. La KF5 aussi. Mais après, si j'aime pas trop le viseur d'origine de la KF5, moi j'aime bien celui de la SME. Ça me rappelle un petit peu, la, pour ceux qui ont connu les vieux de la vieille, la Thompson, les gars. La Thompson sur Code 5. Enfin, rappelez un peu à tous ce truc, le gros chargeur camembert. Mais la SME me fait penser un peu à ça en fait. Et voilà, franchement, ça me fait délirer. Franchement, gros gameplay énervé, les gars. J'espère que vous allez liker quand même. N'oubliez pas, vous me faites plaisir en ce moment. Ça fait, vous me pétez au-delà de 500 likes, comme je dis, je garde la vidéo. Et là, à ce moment, je sais pas si ça vous a un peu réveillé, mais vous envoyez les likes. Et franchement, ça fait plaisir. Et tonton, je vous dis franchement, là c'est pour ceux qui sont encore là sur cette vidéo, je vous dis franchement, allez, je spoil un peu. Mercredi DNA et samedi prochain DNA, les gars. Je vous le dis. Pour le moment, il y en a une dans la boîte, mais d'ici là, je vous en sors une samedi prochain, c'est sûr. Chaud patate, chaud the night, chaud tonton tonight. Voilà, comme dirait les ch'tis, chaud tonight, je sais pas comment ils disent là, mais voilà, en gros, je suis chaud bouillant en ce moment. Et ça fait plaisir parce que ça donne envie de commenter les vidéos. Quand tu gagnes une DNA, frère, t'es content, c'est le top. Je vous présenterai de temps en temps des gameplays full rush comme ça. Full rush où il n'y a pas forcément tentative DNA, mais c'est du rush énervé, c'est-à-dire des parties. Là, c'est un 75-10 quand même, c'est une belle partie. En solo, franchement, ça fait plaisir quand même. 75 kills tout seul en solo. Les score streaks n'ont pas vraiment trop fragué un petit peu, mais c'est beaucoup du kill alarme. Vous pouvez voir, c'est beaucoup des triple fils, enfin, en gros, c'est la barre de fil du kill alarme. Donc, quand même, ce que j'attends de vous, c'est dans les commentaires, mettez-moi si vraiment ça vous plaît de temps en temps. Pas forcément que des DNA, mais des gameplays full rush comme ça, des gameplays énervés. Vous avez été nombreux à me dire, tonton, nous on s'en fout du DNA ou on s'en fout d'une arme cheatée, nous on veut du gameplay agressif. Donc là, c'est en ce moment, c'est ce que j'essaye de fournir. Et de temps en temps, j'essaye de rallier et d'essayer, quand je vois que je suis en série de 15-20, j'essaye de faire une DNA. Mais je vous avoue que faut faire un choix sur les gameplays. C'est soit on rentre dans la partie en se disant, on va faire 80 kills et on va être bien énervé, on va courir de partout, machin. Ou soit on tente une DNA, certes en courant de partout, mais moins risqué, c'est-à-dire on court, mais dans des zones différentes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est un gameplay où je vais n'importe où en mode balai coulou. C'est-à-dire tu rentres, tu kills, tu rentres, bim, bam, boum, bam. Et là, c'est un peu à qui va gagner les duels plus rapidement. Et forcément, là, c'était un gameplay voilà, où tu rentres en contact et tout. Et c'est pas pareil, c'est la bagarre là, tu vois, en fait, je veux dire. Et la bagarre, tu l'as gagnée en faisant 75-10 parce que t'as pris duel sur tes adversaires. La DNA, c'est pas pareil, c'est du rush, mais ça passe dans des zones, on va dire, moins risquées qu'un gameplay énervé comme ça. C'est énervé, quand même, parce que là, franchement, vous avez été nombreux à liker la DNA, la K12. Merci beaucoup, les gars, franchement. On a presque fait les 1500 likes et je suis content. Ça fait plaisir un peu de voir que ma communauté, elle est là, qu'elle se réveille, qu'elle pousse tonton vers l'eau, quoi. C'est grâce à vous, de toute façon, si je suis là. C'est parce que vous me poussez vers l'eau. Et franchement, 1500 likes sur la DNA AK12. Elle en mérite 2000 quand même. Mais franchement, vous m'avez fait plaisir. 1500, vous avez répondu. Je pense que ça va remonter encore. Pour ceux qui l'ont raté, n'hésitez pas à aller faire un tour, à aller la voir. Franchement, un déchet. Et je peux vous dire là. Ouais, la petite quad aussi, bro. Ouais, celles qui vont arriver prochainement sur ma chaîne, vous allez kiffer. Donc franchement, je vous donne prochain rendez-vous, les gars. Mercredi. Normalement, je crois que je vous la mettrai vers 3-4 heures. Peut-être 2 heures, je sais pas. En tout cas, mercredi après-midi, n'oubliez pas de checker la chaîne à Tonton Manidos. Il y aura une superbe, quand je dis superbe, DNA. C'est sûr, en full rush, comme vous l'aimez, dans une petite map compacte, avec du contact. Celle-là, elle est vraiment énervée. Vous avez été nombreux à mettre 1500 likes sur la K12 RIP, sur celle qui va arriver mercredi. Franchement, les gars, faites péter les 2000 parce qu'elle est déchirée. C'est une des plus jolies. Je vais l'envoyer sûrement à la chaîne Rage et à Code QG, je pense. Parce qu'elle est vraiment énervée dans un mode de jeu. Énervée.
Donc, fait quand je dis énervé, un mode de jeu assez rare. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que je vais pas me spoiler, j'ai envie de vous faire vraiment patienter jusqu'à mercredi. Sinon, pour vous dire que le top 10 aussi, kill abonné avance. J'ai assez de clips pour en faire un, je vais pas tarder à le monter, normalement vous l'aurez dans la semaine prochaine. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, sinon rien de spécial, ben, le gameplay va s'achever, voilà, ça tombe très bien, il reste 3 secondes. 75-10 les gars, un max de like pour Tonton. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En solo, je répète, 75-10 c'est pas mal. 7-50 de ratio. Comme vous avez pu le voir, ma meilleure série 39. Donc je vous en dis pas plus. Rendez-vous mercredi, Big DNA les gars. N'oubliez pas de faire un tour sur les vidéos précédentes si vous les avez ratées, les deux. Surtout celle-là, Tonton Modèle Vicieux les gars. Vous avez pas vu celle-là, voilà, vous avez pas plus de vidéos quoi. Non, je rigole. Faites un tour les gars, suivez-moi sur Twitter, Facebook. Sur ce, je vous dis un bon week-end à tous. Bonne reprise pour lundi. Et ciao les gars!